Dutton. Magnifique, magnifique ce que fait Fred dans ces conditions-là. Bravo. Quand je vous dis qu'il fait partie des plus grands, c'est pas pour rire. Hein. Je ne vous dis pas le nombre d'heures d'entraînement qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Plus le travail en solitaire, le foncier. Vraiment, les athlètes qui auraient mérité malheureusement de représenter la France aux Jeux Olympiques, ils ont préféré le breakdance et puis je sais pas quoi, la planche à roulettes. Ouais, c'est pas mal ça, mais bon, enfin moi. Allez, mon frérot, allez, on repousse la cassette au fond, on pousse. Super. Super, très beau. On est quoi, 2 minutes? 1:30. Voilà, ça va mériter, le mérite. Allez, allez. Allez, on encourage les gars. Allez, 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 on le pousse un petit peu là. Il a besoin de vous là, il a besoin. Allez, on applaudit bien fort là, Fredo. Oui, Fredo, super, super. Arrêtez-vous, mais c'est bien, regardez, vous ne verrez pas ça tous les jours. Et oui, les boules, c'est pas que la buvette, hein, je vous le dis, moi. 2 minutes. C'est du sport avec tous ces jeunes là, qui représentent la France, une des premières nations au monde en sport boule. Avec des médailles d'or à chaque voyage. Allez, Fredo. Allez, 1924 dans ces conditions, c'est exceptionnel, hein. Voilà, voilà. Super, Fred, super, super. Semaine avec son copain, ils ont tapé 61 boules sur 62. Ils ont fait un trou en 5 minutes. C'est 12 boules minutes tirées. C'est énorme, 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 énorme. Bravo, Fredo. Allez, encore une, mon Fred. Allez, encore une, et puis ce sera fini. Et voilà, on peut l'applaudir. Alors 32 en 4 minutes, c'est du 44 en 5 minutes. Bravo Fredo! On peut l'applaudir bien fort, hein, parce que les conditions sont quand même très particulières.